Si y est-il un changement de vie pour François Hollande et Julie Gayet? Le couple a déménagé de sa résidence, vendue à prix d'or. François Hollande et Julie Gayet ont tourné une page. Le couple a quitté sa résidence dans le 14e arrondissement de Paris, dans le quartier de Montsouris. Si est-il ce que révèle Le Parisien, le mardi 27 juin, en évoquant la vente à un prix considérable de leur maison. C'était en décembre dernier, Julie Gayet et François Hollande se séparaient alors de leur demeure parisienne. L'ancien président de la République et son épouse ont passé de nombreuses années sous ce toit, leur pied à terre parisien leur permettant de gérer leurs activités professionnelles respectives. Et la vente de cette résidence, achetée par l'actrice, ne s'est pas faite dans le silence. Depuis juillet 2019, la comédienne et le politique vivaient dans cette demeure des années 1980, qui s'étend sur 200 mètres carrés habitables et un jardin de 70 mètres carrés. Cette maison achetée par Julie Gayet à 2 millions d'euros se situe non loin du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement parisien. Et la vente s'est réalisée à un prix exorbitant puisque nos confrères font état d'une transaction à près de 3,3 millions d'euros. Une belle plus-value donc pour la comédienne. Le Parisien rappelle que François Hollande et Julie Gayet avaient réalisé des travaux de rénovation à leur entrée dans cette résidence, un an et demi de travaux avec notamment l'installation d'un ascenseur. Ils ont également bénéficié de l'augmentation du prix au mètre carré dans ce quartier. Un bruit dérangeant selon un habitant du quartier, Julie Gayet et François Hollande, auraient été dérangés par le bruit de la soufflerie de l'Institut Mutualiste Montsouris, qui se situait derrière leur maison. Le Point rapportait aussi que le couple avait été la cible d'un cambriolage en janvier 2020, voyant la porte d'entrée de leur domicile parisien forcée et une vitre de la fenêtre brisée. Trois jours après, un suspect avait été arrêté. Mais où vivent désormais l'homme de gauche et sa femme? Jusqu'ici, la question reste sans réponse. Ils doivent néanmoins passer beaucoup de temps au sein de la maison de François Hollande en Corrèze, acquise en 2018.